Martial naît de la vision d'un homme hors du commun, l'aïkido possède ce parfum unique, mélange d'harmonie et d'énergie. Moreya Yoshiba l'avait voulu ainsi, dans sa conception inspirée à la fin du 19e siècle des meilleurs maîtres d'arts martiaux japonais. À l'invitation de la FFAB, le petit-fils du fondateur, Doshu Moriteru Yoshiba, et le grand maître Nobuyoshi Tamura, dirigeaient un stage le mois dernier à Paris. Moment exceptionnel, rencontre privilégiée, cette réunion a été dominée par l'esprit de tradition et d'évolution d'un art qui exclut toute idée de compétition et ne reconnaît dans sa pratique que la notion de partenaire. L'aïkido, au fond, toujours le même, mais il est évident que le monde évolue, les circonstances ne sont pas toujours les mêmes, et les personnes qui pratiquent changent, donc il y a nécessairement des changements au niveau de la forme superficielle. Le fondateur a développé une philosophie qui repose sur l'amour. Et tout ce qui est la pratique de l'aïkido à travers l'aspect technique de l'aïkido vise à développer l'être humain et à développer en lui les capacités d'amour et d'harmonie. Et c'est ça qui est le but de la pratique de l'aïkido. La pratique de l'aïkido se divise en suwari-waza, c'est-à-dire technique assise, hamyan-dachi-waza, un partenaire assis, un debout, tachi-waza, le travail debout, buki-waza, les armes, et taninzo-gake, le travail en groupe. Dans l'aïkido, il n'y a pas, il ne devrait pas, il ne peut pas y avoir de compétition. C'est justement le côté admirable de l'œuvre du fondateur, d'avoir créé un art qui ne soit pas un art de compétition, parce qu'il a très, très clairement justement voulu établir quelque chose qui soit en dehors du monde de la compétition. Avec la fluidité de ces techniques et des mouvements qui semblent vous emmener dans une spirale de renonciation, l'aïkido paraît simple et facile à pratiquer. Si comme au judo, on utilise des projections et des immobilisations pour déséquilibrer et maîtriser, on peut également accompagner ces techniques d'une série d'atemi, comme dans le karaté, en des endroits vitaux du corps. Mais la recherche de l'aïkidoka reste fondamentalement celle de l'équilibre de l'individu par rapport à lui-même et à son environnement. À voir, on a l'impression que ça se fait tellement facilement que le partenaire tombe parce qu'il doit tomber, ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. On le fait tomber, mais on le fait tomber avec facilité parce qu'il faut arriver à un certain niveau à le déséquilibrer et à le faire tomber sans effort. Plus on est détendu, plus le mouvement se fait facilement. Pour moi, pour l'instant, c'est plutôt que... Par exemple, d'être présent quand on fait les techniques, les mouvements, d'être présent, mais sans dominer quelqu'un, trouver ça, alors, c'est pas très facile. Et puis, d'être relâché dans les mouvements, en restant vigilant. Alors là, des choses comme ça, j'aimerais bien apprendre. C'est sur le tapis,
ce sera bien de le savoir faire, mais je crois que dans la vie quotidienne, ce sera pas mal non plus. Je pense que le fait d'utiliser les deux choses, l'attaque presque frontale, ce que nous on appelle l'irémie, ou le tenkan, prendre avec tout de suite, c'est une chose qui marque aussi dans la vie, aussi dans la vie professionnelle. Moi, je le remarque dans des conférences que j'ai, des trucs importants. En principe, on fait toujours de l'aïkido. On essaye de contrer les gens, mais pas dur. C'est juste pour leur dire stop. Et puis après, on les amène tout de suite aussi dans nos idées. Je pense que ça, c'est une partie de l'aïkido. J'ai tout de suite pris le goût de l'aïkido, ça m'a plu. C'était quelque chose où on pouvait se défouler, mais sans blesser quelqu'un. Et puis, je crois que ce qui m'a marqué, c'est la première fois que j'ai vu Sensei Tamura, c'était en 72. Et un type qui avait pourtant de la force physique et qui l'utilisait absolument pas, qui ne travaillait que par ses mouvements et qu'en s'échappant, c'était frappant parce qu'il n'était jamais où on l'attendait. Aucune chance de le toucher même. Et c'était le chemin à poursuivre, l'idée d'essayer d'arriver au même point un jour. Mémoire vivante de l'aïkido, Nobuyoshi Tamura a connu au sensei le fondateur de son art, puis son fils, et aujourd'hui, il perpétue l'esprit de la famille en restant très proche de l'actuel Dōshū. Arrivé en France en 1964, mandaté par l'Aikikai, le grand maître est resté fidèle à l'Europe où il consacre sa vie au développement de l'aïkido. Je suis redevable de l'aïkido au grand-père de l'actuel Dōshū, à son père et aujourd'hui à lui. Ça fait trois générations, au travers de trois générations que j'ai appris l'aïkido. Quand j'ai rencontré le fondateur, j'étais très jeune, bien sûr. Et tout ce qu'on me montrait, ou tout ce qu'il m'expliquait, ou qu'il expliquait, je croyais le comprendre simplement, je ne comprenais pas. Et c'est que beaucoup d'années plus tard que je me suis dit que j'étais un âne. Ça fait plus de 35 ans. Et effectivement, les techniques, que ce soit les miennes ou celles des pratiquants, ont peut-être changé. Mais la réalité, comme l'a exprimé le Dōshū tout à l'heure, c'est que l'aïkido, l'essence de l'aïkido ne change pas, elle. Même ces mouvements de contraintes articulaires ne par ces mouvements, on ne cherche pas à faire mal, à provoquer la douleur, mais à contrôler l'équilibre du partenaire.